Bonjour à tous et à toutes, nous sommes pour le Let's Play de Heavy Rain. Donc pour une nouvelle vidéo sur Heavy Rain. Donc là j'ai fait une petite coupure vraiment rapide parce que comme l'épisode était assez long, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Enfin après elle serait trop grosse pour la mettre sur YouTube. Donc voilà. Déjà que je mets quand même près de 17 heures pour la mettre. Ça fait beaucoup mais bon ça vaut le coup. Donc allez. Donc on était là avec le chef, enfin l'enquêteur là, enfin ouais c'est ça l'enquêteur, ouais je pétais un coup dans mon casque. Voilà, nous sommes avec l'enquêteur et tout bordel. Donc là on doit répondre à une question, donc on va le faire tout de suite. Énervé, pas... Hop. Écoutez Lorraine, je comprends que vous vouliez retrouver le tueur, mais vous m'aiderez pas en vous mettant en danger. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Alors vous cherchez le tueur sans moi. Je refuse d'être responsable si les choses tournent mal. Arrêtez cette voiture. Quoi ? Arrêtez cette putain de voiture ! Hop ! Putain, mais elle est folle, celle-là. Elle est malade, celle-là. Si vous voulez pas m'aider à retrouver le salaud qui a tué mon Johnny, je me débrouillerai toute seule. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû accepter qu'elle me suive. Je peux pas la laisser comme ça. Elle est prête à tout pour retrouver celui qui a tué son fils. Ouais, elle pourrait tuer des gens, donc faire gaffe. Protéger. Merde, j'ai pas le choix. C'est pour la protéger que je fais ça. Allez, sort de la bagnole. S'en fout de parler de nous-mêmes. Lorraine ! Allez, c'est parti, on va la voir. Encore une fois dans mes bras. Caresser. C'est moi aussi, marcher, continuer à marcher et rentrer dans la bagnole. Je sais pas si c'est moi, mais... Oh putain, enfin, enfin. Je crois que c'est Ethan, il s'appelle. Ethan. Faut que je le rappelle, parce que je me rappelle jamais de son nom. Enfin, son prénom. Son prénom et son nom de famille, je le connais pas non plus. Ethan Brody. Je sais plus si c'est Brody, je sais plus. Jeudi, 11h15. 85,49 mm. Ouais, c'est parti. Oui, je dois tuer quelqu'un. Si vous n'avez pas vu dans le prochain, dans le dernier épisode, regarde. C'est parti. Allez, d'autre côté. Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai répété 100 fois que je voulais pas voir de camé chez moi. L1. Si t'en veux, il faut que t'appelles avant, mec. C'est pas là. Pars-toi. Merde. Ah, désolé, hein. C'est pas un camé, moi. Merde. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit de dégager. Tu vas m'attirer des embrouilles. Allez. Hey. Attends, mec. Hein? Tu m'as cherché. Cool. Tu le. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Du fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Pourquoi tu réfléchis sur... Est-ce qu'il faut que je le fasse ou que je le tue direct? Je vais te crever. Tu vas me piquer ma cam et chez moi en plus.
foiré, tu vas aller sniffer. Je me suis même pas loupé. Hop, nickel. Bon. Carré. Ah merde, je me suis raté. Nickel. Derrière toi. Débile. Hop là, nickel. Hop, nickel. Hop. Hop. Je te vois. Hop. Putain, j'ai peur de me louper là. Ça faut que je me concentre si je prie trop. Ah lol. Allez, tire. Attends, non. Tire. Je te filerai tout ce que tu veux. Tire. J'ai du fric. J'ai ta cam. C'est pas ta cam. S'il te plaît. Me tue pas, mec. J'ai deux gamines. C'est elle, tu vois. Sarah. Et là, c'est Cindy. Passe au point problème. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Moi aussi, j'ai un fils. Voilà, moi ça c'est fait. Ah, je vous l'ai dit. Ah, j'y vais, moi. J'ai pas hésité. Moi, bon, ça c'est fait. Je vous rappelle que peut-être il a fait le gamin là, mais il a voulu me tuer. Je sais pas si vous avez vu. Il a un fusil à pompe et tout. Il a voulu quand même me tuer, donc je l'ai quand même tué. C'était normal. Et ça pourrait être du fake qu'il a deux gamines, c'est peut-être du faux. Dans la crosse. Dans la crosse. Hop. Ok, c'est dans la crosse. Je dois taper encore. Hop. Hop. Et à mourir. Putain, si j'interviens pas, il va crever. Rose. Ok, en fait tout ce qu'on fait ça donne un nom en fait. J'étais obligé hein, de le tuer donc tant mieux. Allez, on se casse de la maison, ce serait mieux. Ah, mais bon, il y a que des preuves là, il a vomi et tout le bordel donc. Il y a plein d'ADN ici, hein. Truc de ouf. Bon, allez, on se casse. Ah, il aurait pas dû faire le malin aussi. Quand on fait le malin avec mon deux jeux, on se fait tuer, normal. Normal. Allez, on est la fin maintenant. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Ça fait bien longtemps, ça fait deux épisodes, je crois que je l'ai pas eu. Ah, il en était temps pour que je l'aie. Alors, je me demande ce que je vais faire, mais je vais peut-être aider l'autre, c'est possible. Quand je fais pas trop des grosses missions avec elle, je sais pas. Je suis un tueur. Au moins, j'ai gagné le trophée. Hein. Jeudi. 13h32, 85,22 mm. J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je t'en voudrais ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi, je te rappelle. Oh, ça m'a l'air suspect, ça. On dirait que comment dire, le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. On dirait une flic. Je sais pas si c'est moi, mais on dirait une flic. C'est assez bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas que c'est pareil, vous trouvez pas que c'est une flic.
Salut. On m'a dit que vous vendiez du bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Bob. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. Alors là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Chaud. M'a l'air bizarre, ce gars. Alors, comme ça, tu cherches du bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Bon, je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Non. Merci, non. La cam et l'alcool, ça va ensemble, non? Et puis, il faut qu'on trinque à notre premier deal. Non, j'aurais dû dire oui, en fait, mais bon, tant pis. Elle a l'air stressée. Franchement, elle a l'air vraiment stressée. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? Ah, c'est chaud, ça. Étudier, inventer, flou. Je sais plus. Ma mémoire fout le camp avec tous les médocs que je prends. Je plane les 3/4 du temps. Appartement. On se lève. Oh, bois, bois, bois. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé. Mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Ah, il a hésité, vous voyez. Tu te sens pas très bien? Ta maman ne t'a jamais dit de ne jamais accepter un verre d'un inconnu? Chaud. Oh, je vais essayer de me battre avec lui, mais ça va être chaud. Hein. Non, bah en fait, je me battrai pas trop, en fait. Je me battrai pas trop. Ah putain, ça va peut-être lui, le tueur. Dis bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Pourquoi j'ai bu? Des espions à la solde du gouvernement. Alors, comme ça tu t'intéresses à mon appartement de Marble Street? Je l'ai loué à mon ami Paco. Allez, on y va! J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être un petit peu de pour sauter les danseuses du Blue Lagoon. Vas-y! Pour être franc, je m'en tape. Donc il me paye son loyer, je peux bien faire ce qu'il veut. Mais trêve de bavardage. La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre occasion. Je n'ai pas d'instrument ici. Alors je fais avec les moyens du bord. Putain, j'espère chaud. Que tu ne m'en voudras pas trop. Attention. Wow, chaud. Oh putain. Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. C'est qui là? Putain, c'est chaud! Allez, regarde sur le côté. Allez! Allez! De l'autre côté, de l'autre côté. On
Bonjour, monsieur. Allez. Je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces ah, lol. Les témoins Jéhovah. Je vous échangerai avec joie contre un bon de $5. Mais, merci, mais ça ne m'intéresse pas. Non, mon frère. Je ne peux allez. Pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas. Nous sommes. Go, allez, allez, coupe, coupe dans cette barre, car nickel, nickel. Merci beaucoup. Pas besoin d'une vie pour ce temps de violence et de lettres. C'est bon. Allez, X rond. Allez, allez. Hop. Merde, je suis raté. C'est bon. Faut bien regarder, faut bien regarder, faut pas se louper. Je me suis raté. Fils de con. Oh putain. Parti. C'est bon. Nickel. Oh super. C'est bon. Je me suis raté. Allez. Allez! Allez! Nickel! Bon! Yes! Allez! On y est presque! Allez! Je suis raté! R1! Allez! Nickel, nickel, nickel! Je me suis raté! Oh putain! J'espère qu'il a pas me tuer, j'espère qu'il a pas me tuer! Bon, je me suis raté quelques fois quand même! Oh putain, non! Allez! Dans ton cul! Tiens, il faisait le malin. Bah, il en a pas profité longtemps. Bien fait. Normalement, il y a l'autre. Il faudrait pas le sauver, l'autre? On va dire, c'est vraiment un fou, ce mec, hein. Maintenant, je suis tranquille, il est mort. Je pense qu'elle cherche des médocs ou un truc comme ça. C'est possible. J'aurais peut-être pas dû boire le truc m'a fait boire. Il m'a fait boire l'autre. Peut-être j'aurais pu survivre. Ok, maintenant, nous sommes le D... Non, nous sommes l'enquêteur. Nous sommes l'enquêteur sur l'affaire. Qui est assez bizarre, où on a vaincu notre maladie, enfin pas vaincu, mais on n'a pas pris notre dose de drogue, en fait, on pourrait dire ça comme ça. J'ai saigné du nez, tout bordel, saigné des yeux, charni de la bouche, charni de partout, quoi. Donc il était vraiment dans la merde, reine de l'évasion, ok. Je m'étais pas vraiment loupé, c'était pas mal. Jeudi, 14h18, 88,95 mm. Ok, nous sommes sur un chantier. Peut-être un autre meurtre, c'est peut-être possible. Oh, on ouvre la porte. Et c'est parti. Go. C'est parti. Je vais aller causer lui qui est dans le bulldozer là. Vous pouvez éteindre ce truc? C'est lui qui a donné la voiture, ça vous a rappelé? Carte d'identité. Norman Judden, FBI. On dirait un gars qui sort de prison. Je peux vous parler une minute? Vous écoute. On va à l'intérieur. Ok.
Voilà. C'est parti. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, ça me dit rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Vous avez de l'argent. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Ouais, non, dégagez. Bon, ça doit faire flipper quand même. Ouais, faut pas se laisser faire, hein. Allez, go! R1. Hop, des marches. Enfin, du sang. Oh, du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici? Possible que ce soit lui. Encore. Marque de voiture. C'est pas la voiture que je cherche. Hop, ça, départ. Pointure 45. Sûrement la pointure de Mad Jack. Des marques de pas, quoi. Et une dernière, on va regarder ça. Pointure 42. Probablement un visiteur. Je vais regarder la voiture qui est là-bas, là. Voilà. Là, il y a des trucs. Peut-être sous le truc, ça peut être possible. La même marque de pneus que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar? Possible. Ok. Vous avez vu? On va quand même continuer, on sait jamais. Alors. On va déjà regarder ce truc sur le truc. Les empreintes de Mad Jack. Rien d'étonnant, il crache ici. Lol. C'est jamais. Regardez ça. Pointure 42. Probablement un visiteur. Encore. Là, il y a des marques. Ah, c'est peut-être cette voiture dessous. Pas la bonne voiture non plus. Je vais regarder là. Hop là, ça. Ça m'a l'air très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Bah non, rien du tout. Ah, il y a un truc par terre. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneus. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Ok, on sait que c'est lui donc. Ok, ok. Harry commentaire. Traces diffuses de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Oh putain, vous a rappelé de ça? Le pollen d'orchidée. C'est le pollen qu'avait quand on était sur la deuxième mission et qu'on voyait, il y avait une trace de trucs comme ça, de pollen. Je me souviens trop. Je sais pas si vous en souvenez. Non, c'est rien du tout, je pense. Ah, c'est rien. Bon, c'est pas mal. On a trouvé pas mal de choses. J'allais dire que c'était plutôt intéressant. Je vais juste aller voir ici, là. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Oh, y a rien. Bon, j'ai regardé juste ça, mais
Et une lampe. Et alors? Ouais, des outils. Ce qu'on va faire, on va enlever nos lunettes. Ou soit je vais les remettre, je sais pas, parce que je vais aller dehors pour voir. Et comme là, c'est pas très pratique. Attendez, je voudrais regarder là. Je vais regarder ici. Voilà, vous avez vu? Sur. Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Le bac d'acide. Regardez. Ici, ici, ici. Et là. Normalement, il y a quelqu'un là-dedans. Eh ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Il y a quelqu'un. Voilà. Donc, un tueur. Oh, c'est chaud ça. Un collègue à toi, il posait aussi trop de questions. Pas verrouillé, je me le suis fait au fer à souder. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Mets tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Devoir régler ça rapidement. Putain, merde. R1, c'est parti. Allez. Putain, y'a que du combat, sans déconner. Oh, le catch, attention. C'est parti. Allez, je me suis pas raté, c'est super, c'est super, c'est super. À force, on commence à avoir l'habitude. Et vraiment. Vraiment cool. Il va même pas me toucher. Enfin, on va essayer. Je me suis raté. Nickel. Allez, faut le tuer, faut le tuer, faut le tuer. Où on l'arrête, où on l'arrête? Qu'est-ce qu'on fait? Assez joué. Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, tocard. Ok, bah tue-le. Bluff, deuxième chance. Je vais te donner une deuxième chance avant que je me mette vraiment en colère. Ah ouais, et tu vas faire quoi? Me passer les menottes, me lire mes droits? Ah, j'ai peur. J'ai pas de temps à perdre, Jack. Je veux savoir à qui appartient cette bagnole. J'en ai rien à secouer de tes salades. Je suis pas une balance, mec. Alors coffre-moi et qu'on en finisse. Tu vas le devenir, une balance. Bluffé. Hey ! T'es complètement malade ou quoi ? T'as essayé de me buter ? J'ai pas arrivé. Si je te descends, il y aura légitime défense. J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure. Hey, hey, arrête, ok, c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Je sais rien sur ce type. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Goulagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Oh. Tout ce que... Tout ce que tu diras pourra être retenu. Hey. On dirait que t'as un problème, mec. Tue-le. Mais t'es con, c'est pas vrai. Je pensais pas qu'ils acceptaient les caméos, FBI. Mais où va le monde? Va voir, je vais te soulager de ton petit problème. Définitivement. Comment on va faire? Pourtant j'ai tout donné, je me suis raté sur la fiole. Oh putain. Oh non. Oh putain. Allez. Allez. Allez.
Casse-toi. Allez. Bouge. Faut sortir de là. Oh putain. Vite, faut sortir. Allez, sors. Allez. Allez, cool. Je suis sorti, voilà. Oh, y'a personne, il est où? Oh, l'enculé! Allez, vous êtes prêts? Attention! Dès qu'il fait du catch, le mec, tu sais. Je suis raté. C'est bon. Nickel. Oh putain, je me suis raté, tu déconnes? Non. Ah mais merde, en fait, dès que ça fait ça, faut taper en fait, comme ça. T'as vu, il te tape, tu voles, t'sais. Regardez, j'y arrive pas. Je le fais, j'y arrive pas. LOL. Allez. Mais le mec il craint rien. Oh. Il est solide. Oh putain, je peux me faire écraser par le camion. Allez. Je commence à bien maîtriser là. Allez. Faut pas que tu me rates. Je suis à fond, hein, je peux pas le buter. Ah. C'est con, hein? Ouais. C'est con, mais faut pas me faire chier. Hein. Voilà. Une enquête qui se finit bien. Sur une fin d'épisode, peut-être. Je pense que oui, ou pas. Mais de toute façon, je vais arrêter là. Donc, ce que je vais faire, on va arrêter là. J'espère que cet épisode a été bien pour vous. Le mien, il était vraiment super. Franchement, cet épisode, il était juste épique. Un peu d'action quand même, enfin un peu d'action. Donc voilà, on va se dire un petit au revoir pour une autre vidéo sur le Let's Play de Heavy Rain. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut tout le monde.